Merci Ariane. Vous saluez tout bonne militante, tout bonne militant, bonne dirigeante, bonne dirigeant. Il y a une coïncidence extraordinaire qui, dans sa mémoire, quand nous pouvons célébrer notre 45e anniversaire en tant que parti politique, il y a vraiment une coïncidence extraordinaire qui nous appelait dans sa mémoire, quand nous célébrons notre 45e anniversaire, à prendre une décision aussi importante qui nous en a pour prendre aujourd'hui. Et vous pensez qu'il y a une coïncidence pareille, il y a un bon signe et il pointe vers l'avenir. Militants, nous tenons une choix. Nous tenons une choix, nous sommes capables de décider pour tout seul dans l'élection. Nous tenons une choix entre tout seul dans l'élection ou soit aujourd'hui, après de longs mois de négociations, faire une alliance électorale avec Parti Travailliste. Nous tenons une choix, nous encore une choix. Malgré le fait qu'il n'y en a des votes secrets, pas deux votes secrets massifs, nos bureaux politiques et nos comités centrales, ils votent en faveur de l'alliance. Et aujourd'hui, moi-même et la direction du MMM, nous pouvons demander aux autres approuvent sa bonne décision-là. Nous tenons une choix, nous encore une choix, mais nous réalisons l'importance de sa vote qui nous peut demander aux autres points aujourd'hui. Ça nous laisse pour réaliser. Pénat de l'équipe. Pénat de l'équipe en faveur. L'Alliance est l'équipe contre l'Alliance. Pénat de l'équipe est un seul même. Nous discuter, nous voter, quand nous décider, nous tout foncer. Si nous votons en faveur de l'Alliance, nous décidons là-haut, d'exercer. Mon camarade qui est en réserve, qui préfère, MMM à tout seul, les autres devoirs, c'est rallier, plus que les autres. Si nous ne gagnons pas d'exercer, personne ne peut avoir droit de décourager, prendre comme une blâme personnelle. Là, nous répondons aussi même, MMM prépare-lui. Pas tout seul, plus divin. Pénat de l'équipe dans le même. Et un seul même. Et quand nous prenons une décision, nous tous allons de l'avant dans l'unité et avec le même courage. Si nous demandons de voter en faveur de l'Alliance aujourd'hui, c'est avant tout parce qu'il nous compte dans nos pays. Mais c'est aussi dans l'intérêt du MMM. Pour cette raison-là, qui aujourd'hui me demande de voter oui. Massivement. Parce qu'il est dans l'intérêt de nos pays et vous pouvez expliquer ce qu'il fait. Et parce qu'il n'est même pas capable de gagner une meilleure la cour qu'il gagne. Il est dans l'intérêt du pays, mais il est dans l'intérêt du MMM aussi. Laisse-moi prendre la cour là. Il me devoir expliquer les autres en détail. L'accord qui nous peut proposer, signé avec le Parti Travailliste, comme toujours, l'y repose avant tout le programme. Qui nous voulait faire avec ce pays-là? Nous voulons faire de ce pays-là un pays fort, un modèle, et nous avons sa capacité-là. Les quatre points fondamentaux de nos programmes, c'est consolide l'unité entre toutes communautés et faire un modèle d'unité dans la diversité de nos pays Maurice. Deuxièmement, approfondir et consolide la démocratie. Troisièmement, amène un combat sans pitié contre la fraude et la corruption. Et quatrièmement, relance à l'économie là, redonne l'espoir à jeunesse là, dans le respect de l'environnement, et dans autant de justice sociale qui capable et n'a. Ça, c'est les quatre points clés de nos programmes. Deuxièmement, donc, nos programmes, c'est le premier point
de nous l'accord. Et deuxièmement, c'est parce qu'il y a un bon compromis entre les deux plus grands partis du pays. Nous voulons nous parler parti travailliste, capable de faire ce qu'il y fait dans les passés parti travailliste, il naît en 1936, pareil, moi-même, il naît en 69. Nous, en 69, nous devons reprendre la lutte du parti travailliste. Moi, mon calcul, c'est pas mal, pas au bien quand on rentre dans Boris, rentre dans le travail sans idée de là. Mais pas moi qui me décide. L'histoire qui me décide, mon événement qui me décide, taper à PMSD qui me décide. Mon événement qui me décide. Et mon pas regrette, non, rien. Parce qu'il bilan est même 45 bananes héroïques. Pénal l'autre mot. Mais quand même, travailliste, c'est travailliste. Et c'est un bon compromis entre les deux plus grands partis du pays. Un gars est président de la République, l'autre premier ministre. 30, 30, 12, 12 ministres. Il y a un bon compromis entre les deux plus grands partis du pays. Troisièmement, il y a un bon équilibre de bon pouvoir entre le président et le premier ministre. Filé dans la gazette, L'Express, Finina Rato Plus, Finina Top MFM, qui fait honteux de finir comme un mercenaire, comme un agent politique, de faire honte à la profession de journaliste. Moi, je fais à l'école de journaliste de Paris. Honte. Quand vous faites ça. Et pourtant, on arrive vraiment à un bon équilibre. Vous savez, avec ça l'expression-là. Nous parler un président Vazaflair, nous parler un premier ministre marionnette. Nous finissons arriver à un bon équilibre en détail. Nous donnons un pouvoir additionnel au président de la République. Un pouvoir important. Et dès tout temps, depuis qu'il nous a une république, nous avons gagné la guerre Jagnat, quand nous avons une république. Parce que tout pouvoir est divisé dans le même premier ministre, il ne faut pas être d'accord. Moi, je voulais l'équilibre. Depuis ça, l'époque-là, quand nous discutons république, pour gagner la guerre avec Jagnat. Chaque occasion, nous rétablissons l'équilibre. Mais là, c'est un grand pas en avant. Là. Nous pégons nos cabinets de système. Ça n'a pas changé. Nos cabinets de système, gardent comment y aider. Manière désir premier ministre, manière révoque premier ministre. Pareillement maintenant. Manière désigne ministre, manière révoque ministre, pareillement maintenant. Président, il désigne premier ministre, qui monte la majorité, il peine à foi. Président pas capable de tirer premier ministre à moins qu'il y ait minorité dans le Parlement. C'est le premier ministre qui choisit son ban ministre. Président révoque ban ministre à la demande du premier ministre. Donc, nous pouvons faire quelque chose d'extraordinaire. Un modèle pour le monde entier, ça l'équilibre entre pouvoir président et pouvoir premier ministre. Un exemple pour le monde entier. C'est le troisième point, un bon équilibre malgré tout, pas là. Et là, mon plan militant, mon Dieu, je militant, militant. Hein. Mais écoutez, même Radio Plus qu'un tracas. Comme dire, je suis un masochiste. Je suis content qu'il y ait un tracas. Mais lire l'Express, écoutez Radio Plus, écoutez Top FM. Moi, j'espérais ça sans aide. Mais c'est peut-être la honte, c'est qu'il y a Radio Plus, Top FM et l'Express, il me fait ces derniers temps. Si je suis quelque chose dans la grâce, ça me faisait honte. Et moi, je souhaitais qu'il soit sans aide. Moi, je souhaitais qu'il y ait un journaliste comporte comme un vrai journaliste. Nous finissons donc arriver à un bon équilibre entre pouvoir premier ministre et pouvoir président de la République. Ensuite, un bon partage, équitable de bonne responsabilité à la tête de l'État. À part président de la République et premier ministre, vice-président Jayen, numéro 2 dans le gouvernement, ni pour désigner pas parti travailliste. Numéro 3, nous qui pour désigner, nous connaissons Chemna. Numéro 4, pour désigner par le Parti Travailliste, Speaker, Chief Whip pour nous, certains ministères pour le
le parti travaille. C'est moi-même qui toujours préconise le ministère de l'Intérieur. Parce que Molé est un vrai Premier ministre, mais un Premier ministre chef d'équipe. Un Premier ministre chef d'orchestre. Un Premier ministre chef de l'équipe que chacun. Moi, j'ai confiance dans mon ministre de faire ce travail, de respecter. Prérogative Premier ministre, le Premier ministre respecter ce ministre. Un vrai teamwork. Et dans ce contexte-là, vis-à-vis un ministre de l'Intérieur. Bien sûr, ministre de l'Intérieur, il y a le ministre parce que Premier ministre, je voulais le ministre. Premier ministre reste Premier ministre. Mais Molen, Premier ministre, chef d'équipe. Un Premier ministre, chef d'orchestre. Et c'est donc un bon, une répartition équitable de bonne responsabilité au sommet de l'État. Ça aussi, c'est un grand quelque chose qui nous fait achieve. Bon point clé de nos programmes, comme on dit à l'autre, il ramène nous en essence à nous-mêmes. Nous ne sommes pas changés. Nous ne passons pas beaucoup, sauf pas beaucoup grands moments. Mais sur l'essentiel, nous ne sommes pas changés. Et c'est ça qui, dans cette cour-là, c'est ça l'équerre de nos programmes, bon camarade. Nous connaissons 60 péminis. Nous même pas péronnent 60. Nous pas demandent 60. Nous pas péronnent 60. Mais nous tout connaissons inévitable. Quand on va ici et qu'on est même vie ensemble, nous tout connaissons qui pourra faire. Seulement pour tenir un rassier pour tout le monde, pas faire nous un faux procès d'intention. Nous avons déjà gagné 60, nous. En 82, nous ne servons à 60-0 là, non pas pour faire dominer, mais pour consolider la démocratie. Nous ne sommes la Constitution, jamais plus capable de renvoyer l'élection à Maurice. Nous ne réintroduire l'élection partielle, l'élection municipale. Alors, mon père, vous donne une garantie, moi, le passé parle pour nous. Moi, je vous donne une garantie qui, une fois de plus, nous vous servons à 60-0 là, pour consoler et approfondir la démocratie. Personne peine pour gagner aucune crainte à ce sujet-là, bon camarade. Il y a un embrouillé dans mon papier, je vous dis, excusez-moi. Laisse-moi dire à d'autres, en tous les cas, en attendant, nous espérons que l'Assemblée déléguée pour confirmer cette alliance-là. Mais en attendant, dans le respect de la prérogative du Premier ministre, nous finissons maintenant au travail. Et déjà, on peut trouver un résultat. En maintenant, l'élection, parce qu'on a beaucoup de temps, mais déjà, nous donnons un résultat. Parce que naturellement, à partir de maintenant, le pays pour gouverner dans le respect de la prérogative du Premier ministre, mais dans l'esprit de sa programme qui nous finit d'accord avec le Parti travailliste. Nous déjà en route vers ça l'avenir. Et laisse-moi dire d'autres mots convictions. Si à toi, un jeune qui m'aurait dit ça. Moi, il y a vraiment une conviction qui nous capable de faire un pays phare de nos pays. Une leçon pour le monde entier, comme mon petit pays à l'année là. Nous, il y a ce destin là. Nous, un petit pays extraordinaire. Peine à beaucoup de pays, comme nous, mon diaphane. Je connais mon passe la moitié, mon état dans l'histoire, moi, parce qu'il ne faut pas croire qu'il est capable de diriger un pays ou être parti si vous ne connaissez pas l'histoire, le monde, si vous ne connaissez pas l'histoire, votre propre pays. Mais nous, un petit pays extraordinaire, un bon rare pays, comme tout le monde vient de vidéo, personne ne peut déclarer marié avec son camarade. Pour nous, bon grand monde vient de vidéo, pas de l'un humain ou la terre là. Nous, tout pareil, nous, tout nous, bon grand monde, et nous, bon grand monde, nous avons ancêtres, nous avons grandi monde, une sorte de bon pays. Il amène avec nous toute bonne grande civilisation. L'Europe, l'Inde, la Chine, l'Afrique. C'est extraordinaire. Mais nous finissons développer à travers nos souffrances aussi. Nous avons un bon rare pays qui finit comme l'esclavage et qui finit comme l'engagement. Tous les deux. C'est qui pays ça? Une demi-douzaine de pays est là. Nous parmi une demi-douzaine de pays qui fait une colonie française,
ensuite colonie anglaise, et aujourd'hui nous dans la francophonie, et nous dans le Commonwealth en même temps. Tout cela est extraordinaire. Nous avons un destin d'être un pays fort, nous pas quoi, nous plus faisons. Mais nous avons un destin, nous l'histoire, condamne-nous à être un pays fort. Si chacun assume son responsabilité, si chacun joue son rôle. Alors, ben, jeune, comprends bien, quand Paul Béranger, quand MMM perd dans le gouvernement, ne pas perd la base pour une ministre. Moi, si plus, ben, jeune, n'a pas prendre tout politicien pareil. Et un politicien qui a un idéal, qui a un principe. Et nous, nous idéal, c'est vrai, même faire un pays fort de notre pays, Maurice. Et nous pouvons faire. Allez. Et me demande, man, jeune avant tout, croire dans sa destin-là. Pas si croire, donne-nous un coup de main pour qu'il nous réalise sa destin-là. Pour qu'il nous fasse de nos pays un pays fort. Pas seulement ça. Qui s'en n'a pas mis, nous pas d'accord avec moi, tant qu'il nous pas une regagne l'archipel des Sagos, tant qu'il nous pas une regagne la Satchilille qu'appelle Tromelin là, nous l'indépendance incomplète. Ah ben ça, l'alliance là, les prennent l'occasion extraordinaire pour nous combattre, pour nous récupérer les Sagos, c'est pour nous faire ce qu'ils faisaient faire avec nos bonnes soeurs, nos bonnes frères, Sagosiens. Une grande occasion, ça. Nous pouvons avoir à ça l'occasion là aussi. Moi, je discute avec David Ramgoulam longuement, cette dernière. Et coïncidence, le lendemain, moi, j'ai un premier rendez-vous avec nous, nouveau haut commissaire britannique à l'île Maurice. Et moi, je discute ça longuement, Sagos, souveraineté Maurice, donc Sagos. Moi, je discute ça longuement avec le nouveau haut commissaire britannique. Et on dit à lui, Navin Ramoulam, Paul Béranger, le prochain gouvernement, dans quelle direction nous pouvons aller. Nous souhaitons une solution, mais ne pas pouvoir se tâter, dis-moi, personne. Personne. Et nous mine business. On dit, ça nous vaut au commissaire là. L'histoire, il lie Maurice et l'Angleterre. Nous avons un pays ami, nous avons un partenaire, mais nous ne pouvons pas se tâter. Jamais nous ne pouvons pas baisser la tête dans sa gosse de Tromelin. Les connaît qui nous donnent l'intention, nous souhaitons une solution. Nous souhaitons qu'il bien vite après la prochaine élection, l'on engage une nouvelle discussion avec Paul-Louis, une nouvelle négociation, et pareil côté Paris dans Tromelin. Mais mon camarade, mon jeune, comprends bien, nous ne pouvons pas prendre pour un gouvernement là. Nous pouvons prendre notre destin dans nous la main. Nous pouvons réaliser le destin du pays pour nous faire de nos pays un pays fort. Et pour nous aller dans la direction de récupérer les Sagos et Tromelin. Mon fin rassier tout le monde. Et évidemment, dans ce contexte de démocratie-là, si nous l'Alliance approuvait aujourd'hui, évidemment, demain même, mon remettre mon démission comme leader de l'opposition, si ça l'Assemblée là, approuve la décision, bien sûr. Et papa, quand nous faisons tout ça là, vous êtes en face qui nous est là. Qui qualité l'opposition supposée pour Ena là? Et vous là, Ena là, hein? Lamentable! Absolument lamentable! Hein? Et où là, nous tout connaissons 60-0, Pévini. Je peux la guerre, tu sais? Mais peut-être que je peux la guerre, que je n'ai plus baiser qui l'autre. 60-0 qui peut venir, papa, c'est débat pour faire élire un dé. Non, mais d'accord, 25, 35, 36 et demi, 24, 3, 4. Comme ça, je faux. Là, mon petit guide, et où là, vous calculez, nous camarades Ivan, mouvement libérateur. Dival, dis à vous les programmes. Votre programme, c'est pour les programmes du PNFG. Ah, il va pas monter. Il est gardien pas ici. Il est à nous manger pas là-bas. Il est mandoura à l'autre côté. Il va monter quand il a l'installe lui-même là. Mais quand j'étais là, là pour le moment, on a MSM, on a PMSD, on a Mouvement Libérateur, papa. T'as l'air où t'as dit là, c'est le niaque là-dedans. D'ailleurs, vous là-dedans,
T'as l'air où t'as dit à la comme c'était parti malin pour la dent.